Salut à toutes et à tous, c'est Darksider et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la bêta de Medal of Honor Warfighter. Donc avant toute chose, je tiens à vous signaler que vous allez avoir vous avez des petites bandes noires autour de votre écran. Donc je suis désolé, c'est qu'en fait j'ai fait l'acquisition récemment d'une Xbox 360 Slim. Parce qu'avant j'avais une Xbox arcade, donc la blanche pour ceux qui voient pas. Et en fait je me suis trompé, j'ai mal réglé les paramètres d'affichage, qui fait que je me suis retrouvé avec une vidéo vachement petite, mais je pouvais pas me permettre de supprimer cette vidéo car je fais vraiment une super bonne partie. Je vous montre pas mal de keystreaks présents sur le jeu. Donc je suis vraiment désolé les gens, et je vous invite à vous mettre en plein écran pour vous puissiez voir la vidéo le plus grand possible, pour que vous puissiez prendre un maximum de plaisir. Et je vous le répète encore une fois, je suis vraiment désolé. Donc on va passer au gameplay maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur la bêta de Medal of Honor Warfighter, donc qui est sortie depuis maintenant je sais pas moi, on est le 16 octobre aujourd'hui, ouais, ça fait peut-être 2 semaines à peu près. Donc là vous avez vu que j'ai éliminé mon adversaire avec le petit pistolet là. Donc je joue avec la Danielle Défensive MK18. Donc ça ressemble un petit peu à la M416 sur Battlefield 3. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'arme en fait qu'on débloque quand on débloque le Canada. Donc c'est une arme que j'apprécie assez parce que elle est puissante, elle est précise de loin et elle a pas trop de recul. Donc je ne sais pas si on peut dire que cette arme était assez cheatée, mais elle est extrêmement puissante et ça fait plaisir de jouer avec. Vous voyez que je ne bouge pas beaucoup. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Medal of Honor, c'est un jeu créé par DICE. Donc là on a affaire au tout dernier jeu. Donc je tiens à préciser que ça n'a absolument rien à voir avec le Medal of Honor qui est sorti il y a quelques années, en même temps que MW3, qui était vraiment une pourriture pas possible. Ça là ça change complètement. Je remercie mon coéquipier qui m'a bloqué et qui m'a fait tuer, parce que moi j'allais partir et il m'a coincé devant l'entrée, donc j'étais obligé de mourir. Donc oui, donc je reviens sur ce que je disais. Donc ça a absolument rien à voir avec le jeu qui est sorti avant. Là celui-là c'est un renouveau pour la série, et je vous invite fortement à l'essayer, pourquoi pas l'acheter si ce jeu vous plaît. Alors pourquoi? Tout simplement parce que déjà au niveau gameplay et tout ça, c'est vachement plus travaillé. C'est plus beau, c'est plus plaisant à avoir. Donc là, hop. J'envoie. C'était quoi que j'envoie? C'est du fumigène, voilà, que j'ai envoyé là. Et donc c'est vachement plaisant. En plus, ce jeu est assez complet. Même pour une bêta, c'est assez complet. Vous pouvez tester la personnalisation des armes. Alors pour vous expliquer une entité, vous pouvez personnaliser tout. Mais alors quand je dis tout, c'est tout. De A à Z, vous pouvez changer les camouflages, vous pouvez changer la mire, le canon, la poignée aussi de recul. Ce qui fait que vous pouvez avoir soit une arme qui sera à la fois précise et puissante, ou une arme plutôt pour aller bourriner. Vous pouvez changer vos camouflages et tout, ce qui est vrai que c'est assez intéressant, parce que sur Battlefield déjà les camouflages on n'en a pas, et puis sur Call of Duty c'est plutôt des camouflages prédéfinis, et là c'est vrai que ça change complètement. Donc la base de ce Medal of Honor Fighter, c'est la coopération. Bon, ça je pense que j'ai pas vous le dire parce que vous avez dû voir suffisamment de vidéos dessus, mais c'est vrai que cette partie était tellement exceptionnelle, je ne prétends pas être un meilleur joueur de Medal of Honor Fighter, mais c'est vrai que ce jeu est, enfin j'ai fait un petit massacre quoi. Donc là j'ai pas tout compris, là je comprends pas comment il est pas mort là. Donc oui, donc c'est un jeu qui se base sur la coopération. Vous voyez que c'est des, en fait vous avez deux camps, soit l'attaque soit la défense, mais après vous êtes divisé en plusieurs équipes de deux.
Donc là, on est en zone de tension, je crois. Donc là, c'est le seul mode présent sur la bêta. Donc c'est une sorte de démolition, on peut dire ça comme ça. Une sorte de démolition tout en tuant les ennemis. Donc là, hop. Donc là, mon coéquipier est en train de désamorcer. Je sais pas si on aura le temps. Si, voilà, on a réussi à désamorcer. Et puis on a réussi parce qu'il restait 3 secondes avant de passer au niveau suivant. Donc là, petit switch sur les scores. J'ai pas eu le temps de lire, donc on verra la prochaine fois. Donc là, hop, on a gagné la première manche. Et on va avancer parce que l'ennemi recule quand nous on gagne une manche et vice versa. Ou je me souviens plus. Ou alors ils ont plusieurs positions et ils ont le choix pour poser. C'est l'un des deux. Je vous avoue que. Même si j'ai fait quelques parties, j'ai pas tout retenu sur ce jeu. Donc là, hop, là je suis mort, là, même non plus, j'ai pas tout compris ce que je pense que j'avais tiré avant sur lui, mais c'est pas grave. Donc là, hop, je spawn sur mon coéquipier dans moins d'une minute. Voilà. Et donc là, vous voyez tout en haut, on va aller défendre le prochain objectif. Et il nous reste à peu près 3 minutes 45 à peu près, voilà. Donc ce jeu, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une sorte de Battlefield et de Call of Duty. Battlefield parce que ça joue sur la coopération. Vous vous souvenez que sur Battlefield, il vous fallait une escouade avec un médecin, un ingénieur, un gars qui donne des munitions et puis un sniper pour réapparaître. C'est je fais en gros, hein, je généralise un petit peu. Hein. Vous pouvez avoir plusieurs équipes de snipers ou tout dans le genre. Et là en fait c'est vous et votre coéquipier, vous vous soignez mutuellement, vous vous donnez des munitions. Donc là c'est une sorte de Battlefield raccourci, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai vu des balles sur la gauche, j'ai essayé de partir mais en fin de compte il n'y avait personne. Hop. On a buté un mais il y en a un autre qui se présente juste devant, on va le faire, hein. On va le tuer tranquillement, ça sera plus facile. Hop. Donc là hop, je tire dessus, mais j'ai pas tout compris, il a pas pris ses balles moi. Hop, c'est mon coéquipier qui l'élimine. Et donc je reviens sur ce que je disais, c'est aussi à la fois un Call of Duty parce qu'il y avait une série de killstreaks. Alors je crois que les premiers c'est au bout de 2 ou 3 kills, vous avez brouilleur de drone, grenade fumigène. Ensuite vous avez les mortiers ou ce genre de choses. Hop, un petit kill. Là vous allez, durant cette partie, pour l'instant ça va être assez, vous allez voir que c'est entre guillemets assez creux, je fais un kill par là, un kill par ici, un kill par là, pardon. C'est surtout vers la fin que je vais commencer à enchaîner et que les killstreaks vont commencer à pleuvoir. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir en ma compagnie. Hop, là, je voyais des petits points rouges, donc par contre, un point que je dois peut-être signaler, bon c'est je dis ça comme ça, hein. C'est vrai que ce jeu est quand même pas mal assisté. Vous avez une vue, bon je vais rapporter un petit peu à Call of Duty, mais vous avez des yeux, mais alors de chat, vous voyez absolument tout, même à travers les murs. On se croirait un petit peu avec la tout-tireur d'élite sur Call of Duty. Vous avez vu que là l'ennemi était de l'autre côté du mur, j'ai réussi à le voir. Bon, j'ai pas réussi à le buter, mais c'est quand même pas mal assisté. Après là j'ai eu. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai eu un indicateur m'indiquant qu'il y avait une grenade qui allait m'aveugler. Un indicateur pour la grenade. Bon, sur Call of Duty, vous allez me dire qu'on a aussi un indicateur de grenade. Mais pas de flash quand même, faut pas non plus abuser. Voilà, hop. Lui, il a. Hop. Donc, je reviens sur l'ennemi de tout à l'heure, il a tout mis à côté, je le bute. Celui-là, je saute derrière lui. J'aurais pu l'assassiner pour vous montrer, mais. Sachant que moi, je joue plus en tactique. Et vous allez voir que dans cette vidéo, je vais encore avoir un petit peu de mal. Au niveau des commandes, je vais souvent mettre des coups de couteau dans le vide. Donc là, je fais du 17-7, voilà. Et mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, en fait, c'est l'inverse sur Call of Duty. Bah, maintenant, je m'allonge n'importe où alors que je vais essayer de mettre des coups de couteau. Enfin, vous voyez que là, vous voyez pas, mais je perds un petit peu mes habitudes. Donc là, on est toujours en défense. Là cette fois-ci, il n'y a personne au spawn. Donc je vais essayer d'avancer un peu. Hop. Vous allez voir que dans ce couloir, pas mal d'ennemis vont approcher, ça va être une vraie boucherie. Hop. Là, mon coéquipier vient de mourir, je le bute, l'ennemi qui était censé l'avoir tué. Mais, je croyais que quand vous sauvez, normalement, quand vous sauvez votre adversaire, quand vous tuez l'adversaire qui a tué votre coéquipier, il réapparaît automatiquement, mais apparemment là, donc là j'ai préféré attendre qu'il réapparaisse pour venir. Hop.
J'en bute un, mais j'ai préféré sauver ma peau. Et donc là, hop, je recharge tranquillement. Je vais y retourner. Hop. Pour se faire le petit deuxième. Avec un petit tir dans la tête, ça fait toujours plaisir. Donc là, bah, l'ennemi nous a brouillé le radar. Vous voyez qu'on voit absolument rien. J'ai quand même pu apercevoir qu'il y avait quelqu'un qui passait devant. Mais je crois que je l'ai pas eu. Ah si, je l'ai eu, c'est bon. Barre de feed, oui, je l'ai eu. C'est vrai que la barre de feed a un petit temps de retard sur... sur le jeu réel, donc c'est vrai que ça, on voit pas totalement tout. Hop, là je me fais tuer, bah je vais spawn sur mon coéquipier. Non, juste pas parce qu'il y a un ennemi qui est arrivé. Hop, là il se planque, je sais pas si c'est pour m'attendre ou pas, mais en tout cas, hop, il m'a permis de respawn. Là, un petit ennemi qui a essayé de le contourner, je le bute. Hop, et après je leur fais des boîtes par derrière. Hop, un peu là. Bon, c'est vrai que le temps de chargement est assez long, surtout quand votre coéquipier est dans une zone à risque, on va dire comme ça. Et hop là, donc là on reprend là. Il nous reste un site à défendre. Si on le défend comme il faut, la partie est gagnée, mais vous allez voir que ça va pas se passer comme ça. Ce qui donne tout l'intérêt de la vidéo et pourquoi elle est plus longue que d'habitude, parce que normalement la partie est beaucoup plus courte, soit c'est les attaquants qui posent tout, soit c'est nous qui détruisons, qui défendons comme des oufs, et donc dans ce cas-là, bah, la partie se finit aussi rapidement, mais là la partie sera assez longue. Hop, on respawn sur le coéquipier, il nous reste un peu moins de 3 minutes à défendre la bombe. J'essaie d'arroser tant bien que je peux, mais j'ai un peu de mal, en plus il fallait que je me protège de la grenade qui arrivait. Hop, on recharge, et puis bah, vu que j'ai 100% de vie, on va y aller. Je croyais que j'avais un mortier, en fait c'est un écran de fumée, donc en fait ça a absolument servi à rien, c'était juste une sorte d'envoyer le killstreak. Hop, un petit kill à la grenade. Hop. Et là on va aller voir, je crois que mon coéquipier est en mauvaise posture. Hop. On lui redonne un peu de vie, on se prend des munitions et on tire n'importe où. Excusez-moi, parce que là c'est vraiment le cas de le dire, j'ai vraiment arrosé n'importe où. Hop, on s'allonge. On recharge. Et on tire complètement dans le vide parce que l'ennemi est parti. Hop. Je redonne un petit peu de soin. Voilà, vous voyez que j'avais plus 2, plus des soins sur le coéquipier. Hop. Donc là, sur ce jeu, mais même sur tous, hein, je vous conseille plutôt d'essayer de contourner l'ennemi. Hop, là, on se met le petit campeur qui a juste pas eu le temps de buter mon coéquipier. Dès que pour toi, mon gars. Et donc ouais, je vous conseille plutôt dans ce jeu, en plus là vous avez, si vous arrivez bien à gérer au déplacement, c'est largement possible de pouvoir contourner l'ennemi, le prendre par derrière. Et là vous faites un massacre tout simplement magistral. Hop, là on regarde, là il y a eu, là c'est vraiment là, pendant cette période il y a un tout petit creux, là je vois absolument personne. Je vous demande où est-ce qu'ils sont. Mais en fait il suffit de regarder en fait la carte, en fait j'étais complètement dans le spawn, mais vu que la bombe est en fait à au moins 400 mètres de là, les ennemis ils spawnent... bah pas là où est-ce que j'étais en train de regarder, donc là faut on essaie de courir pour essayer de désamorcer. Hop. Vous voyez quand même que les gestes et la caméra sont à peu près similaires à celles de Battlefield quand même. Parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois que si, oui, c'était créé par le même développeur que Battlefield, donc ça c'est un petit peu normal. Mais je pense que avec ce jeu on va avoir du renouveau sur la série, et c'est vrai que c'est... c'est intéressant pour les grands fans de Medal of Honor qui ont été un petit peu déçus par le dernier jeu sorti. J'arrive, mais la bombe elle tente de péter, et puis on n'a pas eu le temps de désamorcer. Donc là ça fait 2-1 pour nous toujours. Hop, on recharge, j'ai fait un petit kill encore, ce qui fait que ça me permet de débloquer des fumigènes ou le brouilleur de drone. Donc je suis pas tout à fait sûr au niveau des killstreaks, mais je pense que je parle uniquement pour la Xbox, je sais pas comment ça joue sur la PS3. Avec la flèche de gauche vous obtenez des killstreaks plutôt d'attaque. Et donc là il y avait un petit kéké en haut, j'ai essayé de tirer à travers le mur mais ça n'a pas fonctionné. Je pense que quelqu'un va le tuer à ma place, voilà, élimination à coéquipier. Et ouais, donc la flèche de gauche serait plutôt pour les killstreaks d'attaque. Et flèche droite plutôt pour les killstreaks de défense, mais après je n'affirme rien, c'est juste mon ressenti sur le jeu. Donc là l'ennemi a encore reposé une bombe. Et donc là bon, je vais tout faire pour essayer de les avancer. Je pose un petit écran de fumée pour essayer de me couvrir. Hop.
Je bute le petit gars qui m'avait pas vu. Là, je débloque. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est un couteau de lancer, des kits de soutien. Si c'est pas ça, honte à moi, mais bon, je suis pas un pro Medal of Honor. Hop. Là, mon coéquipier, il sait d'arroser n'importe où. Il fait du 31-8 et moi j'ai pas eu le temps de voir ce que je faisais. Je vous le dirai ça la prochaine fois parce que j'ai la fâcheuse tendance moi, à regarder un petit peu mes les scores. J'aime bien être au courant de combien je suis. Je tiens pas à être dans le flou. Hop, un autre petit kill en défendant la bombe. Hop, je fais tirer dessus. Je sais pas si je l'ai éliminé. Je crois que si. Je suis pas sûr. Hop, là je me rapproche de mon coéquipier. Il donne des soins. De toute façon, c'est le but même de ce jeu, je me le répète encore, mais c'est la coopération qui prime de toute façon sur ce jeu. Voilà, 29-12, voilà, je le fais. Hop là. Donc là, bah, j'ai encore débloqué une classe, hein, parce que c'est vrai que dans ce jeu, on débloque des nations et pas des classes ou des armes, là, c'est complètement une nation entière. Enfin, une nation, c'est force spéciale. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas inclus dans ce jeu les forces spéciales françaises, c'est un petit peu dommage. On a les Allemands, on a les Russes, on a les Polonais, les Anglais, et tout ce genre de choses. Et on n'a même pas l'une des meilleures forces spéciales. Alors, je parle pas par patriotisme, mais juste comme ça. Donc là, vous voyez que j'ai juste pas eu le temps de désarmer. La bombe m'a pété dans les mains, je crois. Ah non, j'ai été tué par un gars. Voilà. Et bon, c'était juste après, de toute façon. Hop. Et donc là, il nous reste plus qu'une bombe. Le dernier site, last round, pour faire un petit peu anglais PGM à défendre. Donc là, vous voyez qu'en plus, les ennemis sont juste tout près. Il y a un ennemi qui vient de passer juste devant. Donc hop, je l'élimine. Mais là, hop, j'avais pas vu son petit coéquipier qui était allongé par terre. Bon, je lui en veux pas trop parce que bon, c'était au tout début du jeu. Le jeu venait de sortir depuis 4-5 jours et c'est vrai que peut-être tout le monde... Ne connaissait pas la map et donc je lui en veux pas, même si c'est vrai que bon, il aurait pu se mettre ailleurs pour au lieu de s'allonger sur son truc. Hop, donc là l'ennemi est en train de poser, et là vous allez voir que là je vais commencer à enchaîner pas mal. Hop, je tue un ennemi, il reste à peu près de 3 minutes 50 à tenir si on arrive à désamorcer. Hop, je bute le gars qui était en train de désamorcer. Et vous allez voir que là j'ai joué l'objectif au maximum là. Vous allez voir que la partie n'est pas encore finie, même si je vais désamorcer. Hop, je débloque encore des kill streak. Vous voyez que j'ai encore un petit problème avec les touches, j'ai encore mis un coup de couteau dans le vide. Hop, on s'allonge, là ça arrose partout. Vous voyez, caméra tire d'élite, j'arrive à voir tous les ennemis. On essaie d'arroser, mais avec le mur ça sert absolument à rien. Hop, et ils ont encore réussi à poser. Donc, je bute un. Hop, et j'avais pas vu le gars qui était juste à droite, donc bah, je me suis fait complètement dépouiller. Hop, allez, il reste 2 minutes à tenir. Vu que mon coéquipier est mort, ça va être assez rapide. Hop là, et on retourne à l'assaut. Vous voyez que bon, là, la vue est quand même assez abusée, quand même. Ouais, j'ai pu voir les ennemis d'assez loin. Hop, j'ai fait un kill à la grenade. Hop, encore gouré sur les touches. Hop, et là on désamorce. Donc là je savais qu'il n'y avait pas de risque à prendre parce que mes coéquipiers étaient à côté. Hop, j'ai encore désamorcé. Hop, il nous reste 3 minutes à tenir à peu près, grosso modo. Et là vous allez voir que là les kills vont pleuvoir et que je vais pas mal massacrer là. Hop là. Donc là je regarde, y a personne. Je me fais tirer dessus donc je cours me mettre à l'abri. Hop. On se protège, là on se prend des tirs. Alors j'essaie de me mettre à l'abri parce que ça va être des mortiers ennemis, je suppose. Hop, on descend prudemment. Hop là, je regarde ce qui se passe. Je crois que j'ai envoyé une petite grenade, je suppose. Regardez les scores, 31-34-15 pour moi. Donc là vous voyez que un petit massacre, mais vraiment violent. J'en tue encore un autre. Vous voyez que là ça arrose de partout. J'envoie une grenade à peu près n'importe où. Là pour changer j'en mets un petit brouilleur, mais bon, je m'attendais pas à ce qui se pose là et j'ai pas réussi à le porter, donc là je laisse en plein milieu de la route entre guillemets. Hop, lui je le tue, mais alors vraiment avec de la chance. Hop là, j'en tue un deuxième, j'en tue un autre avec le pistolet parce qu'il me regarde pas, parce que j'avais plus de balles. Hop, on recharge tout tranquillement. Je sais qu'il y en a un autre qui est en train d'arriver à la fenêtre. C'est vrai que les ennemis ils devaient bien aimer ces fenêtres. Hop, je le bute celui-là. Je recharge.
et on y va. Donc là, j'ai assistance mourir. Hop. Je débloque le mortier. Et ça va être une frappe, je pense. Hop. J'en bute un autre. Encore un autre. Ça fait une jolie petite double. Voire triple, je sais pas. Avec autant de temps, je pense pas. J'ai mis la frappe de mortier juste là. On s'écarte un petit peu parce qu'elle serait capable de nous tuer. Je crois qu'on peut se tuer avec nos killstreaks. Bon, voilà. Hop. Et voilà, je fais le dernier kilo mortier. Et là, je débloque l'hélico. Donc, je crois qu'avec la flèche de gauche, vous tirez. Vous êtes l'artilleur. Et flèche de droite, vous êtes le pilote. Donc là, j'ai essayé de piloter l'hélico, mais je me suis fait tuer juste avant. J'ai pas eu le temps de buter parce que l'ennemi a mis un joli drop shot. Bien joué à lui. Donc là, on respawn. On prend tout notre temps. Et on pilote l'hélico, voilà. Et là, le massacre va commencer. Hop là. Bon, pour le moment, c'est assez creux. Vous allez voir que par la suite, on va enchaîner pas mal. Hop. Donc là, c'est vrai que... là, vous pouvez le remarquer, l'hélico, il est assez... comment dire, qu'il peut se détruire assez facilement. Vous voyez, on a pris des dégâts assez faciles. Là, les ennemis ont posé, donc là, on... J'essaie de mitrailler la zone pour pouvoir les, permettre à mes coéquipiers de pouvoir désamorcer la bombe tranquillement. C'est ce qui se fait d'ailleurs. Hop, je récupère encore un autre kill avec le Apache. Hop là. La bombe est désamorcée. Il reste 40 secondes, 45 secondes à peu près. Hop. Et moi j'avais plus de munitions, bah, j'ai laissé mon coéquipier faire le travail. Hop, encore une assistance. Et voilà, l'hélico est détruit. Il reste 30 secondes à tenir. Un mec voulait nos spawn kills. J'élimine sans trop de problème. Hop là. Donc là je vais me protéger tant que mon coéquipier respawn. Voilà, c'est fait. Là je voyais qu'il y avait personne, alors j'ai décidé de retourner sur la bombe. Hop, on court un peu. Hop là, il nous reste exactement... Je regarde un petit peu les scores. Il reste exactement 10 secondes à tenir. Alors là, on voyait pas trop comment les ennemis pouvaient nous la mettre, on va dire ça comme ça, voilà. Il reste 2 secondes, et bah juste pas, les ennemis viennent de poser la bombe à 1 seconde de la fin. Donc là, vous allez voir que je vais tout mettre en œuvre pour désamorcer la bombe. Donc là, bah, je voyais qu'il y avait personne. Il y avait juste un petit kéké qui essayait de surveiller la bombe, mais moi j'ai réussi à le tuer, hop. Je désamorce. Voilà. La partie est finie, et je me fais tuer, voilà. Donc c'est nous qui terminons avec la petite animation, on a fait un score de 15836. Les gens, c'était une vidéo sur la bêta de Medal of Honor Warfighter, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un pouce bleu et à mettre un commentaire et ajouter un favori. Les gens, je vous dis à plus et bon jeu.